J'ai tenu la game 16 minutes quand même. Ce qui est quand même une très bonne prestation. Mais bon. 16 minutes, c'était déjà énorme. Il n'y avait pas moyen de faire beaucoup plus après, c'était trop tard. Notre compo était à chier, Wukong savait pas jouer. Ashkan savait pas jouer son perso, il devait y avoir plusieurs first time dans l'équipe. Hein. À mon avis, il y avait plus d'un first time là. C'est pas grave. En vrai, on pouvait pas gagner, je vais pas tilter. Hein. Je tilte quand je peux pas gagner, moi. Enfin, je tilte quand j'ai fait de la merde, pas quand je peux pas gagner. Quand je peux pas gagner, je go next. Hein. Merci Hack pour les 14 mois, Stylix pour les 4 mois, Imiki pour les 2 mois, Destiny pour le Prime, Scaribou pour le Prime, Clem pour les 2 ans, merci beaucoup, Snow pour les 5 mois, Cuir pour le Prime, et Lyonos pour les 3 mois, et Rinsa pour les 2 mois, merci beaucoup. Je suis pas méga fan de ton stuff. Le stuff que j'ai, c'est le stuff qui est le plus joué, c'est le meilleur sur Kha'Zix. Le Gordinker Serpent et Sterilia, c'est le meilleur. Je trouve pas de joueur top ladder qui l'utilise. Ah bon? Bah le problème c'est que... Bah tu peux taper Agurine déjà. Je t'en donne qu'un pour pas t'en donner 50 mais... J'aime bien les gens, ils regardent une game. Ils disent ah bah ça doit être le stuff de Kha'Zix je pense. Que tu peux rien faire quoi. Genre la game, je pourrais avoir 12 dracteurs. Je pourrais pas gagner ça. Je pense là le stuff. Ça. Ouais, ouais, le stuff, la croco là. Ouais, ouais. J'ai bien analysé là. Même build sur Kayn Blue. Tu peux, mais Kayn Blue, c'est le. Pour le coup, tu peux faire d'autres builds. Là où Kha'Zix, en vrai, d'autres builds, c'est à chier. Genre. Je vais dire non, vas-y. Et pourquoi tu prends pas Draktar? Parce que vous faites les mêmes dégâts avec Draktar qu'avec Gordrinker, tout simplement. Mec, si vous voulez jouer Draktar, vous jouez Draktar, hein, mais vous plaignez pas si vous perdez vos games, je m'en fous, moi. Pas mon souci. Hein. Oh la vache, ils ont une bonne comp, on a une comp dégueulasse. On a pas de chance au niveau des comps là. Le stuff Draktar, Percepteur, Cyrildia est viable. Non, non, non. Il a toujours un coup près dans son stuff. Ouais, ouais, mais après, Agurine est différent de tous les autres parce que c'est le seul Kha'Zix à jouer. Il joue Kha'Zix comme personne ne joue Kha'Zix en fait. Il y a pas un joueur de Kha'Zix qui joue Kha'Zix comme Agurine. Je vais donner un exemple parce que je sais qu'il l'a déjà fait ce build là. S'il l'a changé là, ça ne change rien. Mais de tous les cas, moi j'ai jamais copié. C'est le seul. Genre je copie Agurine sur plein de persos, mais sur Kha'Zix je peux pas en fait. Parce que personne ne peut le copier. Il joue Conqueror alors que tous les masters, même en Corée, ils jouent Dark Harvest. Et ils jouent sur le fil en permanence. Il joue un Kha'Zix. En fait, tout son gameplay se joue sur le Z avec le Gordrinker. Mais tous les autres ils jouent mon build et mon build c'est clairement un des meilleurs. De toute façon tu peux pas jouer Kha'Zix Draktar. Je sais pas. J'ai même pas envie d'argumenter en fait, mais si vous jouez Kha'Zix Draktar. Bien à vous mais bon. Y'a même pas besoin d'argumenter. Hein.
Je sais que Zin a été nerf, Diana aussi, donc je sais pas trop ce que ça vaut maintenant. Allo Hello c'est cool. Ah oui bien sûr bien sûr. Allo Hello, cool. Allo Hello tu peux jouer quasi que ça paye donc. De toute façon quand je vous parle d'un build ou d'un truc comme ça, je parle forcément à O Hello. Hein. Enfin à O Hello pardon. Allo Hello on parle même pas de stuff en fait. Il y a trop de problèmes de niveau de jeu pour que le stuff ait un impact. Il y a pas d'impact sur les stuff. Pas vraiment de CC. Hein. Elle a posé une ward bot sign. Tu sais, j'ai posté une vidéo pour vous dénir à quel point il y a un débat parallèle, mais. La vidéo que j'ai postée là sur la chaîne secondaire qui s'appelle Kane contre Viego, on bat un champion méta, c'était le titre de la vidéo. Je me suis fait incendier dans les commentaires parce que Kane était 40 fois plus broken que Viego. Voilà, et quand je vous dis incendie, c'est vraiment, j'ai reçu une quinzaine de commentaires quoi. J'espère que ça vous met bien. Il est passé ou pas? Non. Dommage, on restait close de pouvoir faire quelque chose, mais on pouvait pas. Le truc, c'est que sur un gank, ils peuvent quand même un peu sombrer, j'ai l'impression. Surtout un gank de Xin, hein, quand même. Après, ma botlane est assez nucléaire, hein, c'est-à-dire que... Oula. Nice, c'est un gank qui passera pas ça. Ok, on a l'info, j'ai perdu du temps, mais lui aussi, bon il en a perdu moins que moi, mais il a révélé sa position, donc c'est pas mal. Et oui, je sens le nerf de Diana en jungle, mais il était mérité, donc ça va en vrai. Je trouve qu'elle reste fine. Hein. J'ai pas l'impression qu'on peut tuer top, mais peut-être que je m'en rends pas compte. On peut pas mec hein.
ça peut t'aider, tant mieux. Hein. Ça m'a l'air plutôt léger quand même, mais. Ah! Mes frérots? Nice. Cher le cancel. Deuxième plate, ça serait bien. Dommage pour le Drake, mais bon. Il va aller à son raid. Comment il est mort l'autre? On va mourir. Le truc c'est que mid il va absolument contu mais... C'est super dur mec. Elle a wardé du côté topside donc si je veux venir... Essayer de glisser un gank, c'est bot side et rien d'autre. Mais regarde l'état de sa wave, il sait pas du tout gérer une wave, il se fait complètement out Irelia là. Il en a marre là de sa gestion de wave désastreuse. Bien. Mais on laisse là, c'est bien en fait, c'est ce qu'on fait. Il a R là? Ah d'accord, donc il a attendu tout ce temps pour R. Mais attends, mais pourquoi? Allez, c'est bon. Ouais. Ok, il a attendu tout ce temps pour R, mais il se fout vraiment de ma gueule par contre là. Mais là, je comprenais pas comment on avait aussi peu de dégâts sur Xing Zhao sans flash là. Il n'a pas R, il s'est dit qu'il allait l'économiser dans un 2v2 compliqué. Ouais, bien sûr. Bon, on va mute ses pings lui. Hein. Il est délusionnel et il en a marre de se faire out mid. Et du coup, il essaye de demander de l'aide du jungle. Sur des situations impossibles. Un classique. Il a économisé son R. Ça me met très très bien cette histoire. Quelle idée. C'est incroyable ça. Comment il lui est venu une idée pareille genre. On a fait 0 pour 2 du coup, c'est vraiment de la merde. Hein. Vraiment de la merde, ok. J'ai l'Hérald. Il a pas pris de plate au top. Sur la décale. Un peu dommage. Regarde comme il se fait outplay, genre c'est... A chaque fois je dois venir, je vais lui dépêcher sa ligne de merde. Allez frérot, voilà. Car tu n'es pas capable de gérer ta wave depuis maintenant plus de 10 minutes. Incroyable. Ah, je suis mort. Hein. Ok, j'ai bien turn. Hein. J'ai bien turn, mais j'ai pas eu l'Hérald. Mais on l'a bien dégommé. Iwana AFK. D'accord, c'est bien les D1. C'est bien. Restez D1 s'il vous plaît, mais n'écrivez pas, ça serait gentil. Voilà, nickel. Comme ça, c'est parfait. Quand vous parlez pas, c'est tellement plus agréable. On s'entend tous parler, genre. Je pense qu'il a fait le carap. Non, nice. Ok, on est bien. J'ai un petit level d'avance. Bientôt ma proto, malheureusement, il faudrait que je fasse un reset, mais... Avant le Drake, c'est pas fou. Ouais, il faut que je remette la musique. I know, I know.
je trouve un timing où je back quoi. Là le truc c'est qu'il y a le Drake et tout, c'est compliqué. Je suis pas sûr que mettre Aphelios contre Iridia ça soit la meilleure idée du siècle. Hein. Tiens la route? Non, pas du tout. Et tes spells frérot? Je pense qu'on peut le speed sans qu'il s'en doute. Ça nous fait un Drake gratuit. Ça fait plaisir. J'ai ma proto à la base. Ah j'ai encore pas d'équipe mais bon j'ai un bon brand je pense. Je le sens bien le brand, j'ai vu il était vraiment solide. Rien à dire dessus. Alors je pense que Ginzao est top. Il a toujours pas mis de ward. Ok c'est bon, j'ai pu mettre de la musique. Attendez, parce que là faut que je gank, je vais peut-être courir bot tout droit là, quitte à délaisser quelques camps. J'ai ma proto pour j'ai pas beaucoup de setup sur les lanes, c'est un peu chiant mais bon. Bot y'a moyen, même si ça joue défensif. Je sens que c'est bot là, j'ai un feeling de... Faut pas aller faire ses camps top, mais faut courir bot. Quand j'ai un feeling généralement, faut que je le suive. C'est bien frérot, n'hésite pas à air vraiment. Super frérot. Il est tanky lui. Ah il a déjà son Gardenker terminé, ok. Ceci explique cela. Il me donne son raid là? Pourquoi il me donne son raid? Je t'entraide et dive bot. Même si j'ai pas mon R certes. Il va se passer forcément une dinguerie là. Ouais voilà, mais c'était sûr à 100%. Okay. Ok. On va avoir le fort bleu de tourelle. Faut juste qu'il aide à push là. Mid il est mort mais c'est normal, il est nul. Les bons joueurs sont sur la bot lane. Enfin, bon joueur. Ah. Ok. 4 stacks. On va chercher le Zonia je pense. Je sais pas pourquoi il m'a laissé son raid le Xingzao. C'était bizarre. Ah la game va être dure hein. La game va être dure. Est-ce que c'est une game que soit j'ai un V9 soit on a perdu je pense. Ça reste compliqué. Je vais retrinket, on sait jamais. On peut là hein. Il m'a pas vu je crois. Il m'a vu. Je ne sais où mais il m'a vu. On va pink. Il a ward là. Oh. Besoin d'aide. Ça peut être pas mal en vrai. Sauf s'il fait n'importe quoi. Oh joli. Là faut au direct là. Là faut Q derrière. Voilà comme ça. Là faut au direct parce qu'on sait que je vais pas avoir le temps. Le CC sera pas assez grand pour que je puisse QE. Donc là je suis obligé de E direct en fait. Je peux pas QE là. Si vous avez le temps et si vous sentez que le CC va vous permettre de... Merde. Va vous permettre de QE, vous pouvez QE, mais là on voyait que le CC de Brand j'allais arriver trop tard en gros. Donc j'ai été obligé de tout court. Je récupère 7 stacks. Est-ce qu'on met Jay cette game avec Diana? C'est compliqué. Oula, je viens de voir une pink là. Ouais, le perso reste quand même un sacré dueliste. Hein. J'ai quand même un V1 Xingzao. Je suis d'accord pour dire que... Après le nerf il est que sur la jungle. Hein. Il est pas sur les dégâts. Brando est bon hein, par contre. Hein. Je peux vous dire que j'ai un excellent Brand. Hein.
ceux qui avaient encore le doute. Bah, difficile de faire plus le taf, mais il manque des joueurs, hein, putain. J'ai demandé à Z de décaler, il a pas eu le réflexe. Brand, il va réussir à faire le taf. Il va se faire manger. Super. Allez, Drake. J'ai explosé le fight. Hein. Le fait que j'y re ensuite en second lieu sur la backlane, c'était vraiment parfait. Je suis très content. Ok, là on a... Par contre, il faut vraiment le faire. Hein. Z, tu sers vraiment pas à grand chose dans la game. On a besoin de toi pour minimum au moins ça. Bien joué Z, c'est bien. Vous avez vu, j'avais call à Z de décaler direct mid. S'il décale mid, c'est encore plus un carnage. On récupère un second rec. Maintenant, on va devoir aller chercher Zonia pour faire ce genre de plays assez clutch. En fait, faut savoir que là, je vais un peu servir de... Je vais mourir cette game. La raison, c'est que j'ai Aphelios Brand derrière, en fait. Donc, quand vous avez Aphelios Brand derrière, vous allez forcément mourir. Un temps soit peu, mais les dégâts qui vont proc derrière, ils seront monstrueux en fait. Donc pas d'inquiétude. Je fais totalement confiance au Brand pour que je puisse Zonia dans la mêlée et qu'il y ait du clean-up. C'est ce qui s'est passé au dernier fight, c'est ce que j'espérais, pour être honnête. Je vais me mettre là, moi. On va pas l'abandonner. Important de bait. Okay. Enfin de bait. De l'aider. J'ai mon Zonia dans très peu de gold, j'aimerais bien le jouer en vrai. Il y a un all-in top là. Elle a rappuyé. Ah, elle a rappuyé. Si elle rappuyait pas, en vrai, j'aurais peut-être pu la run down. Ah ouais, là, il veut prendre un fight maintenant, mais vous voyez, là, sans Zonia, moi, je fais un peu plus la gueule. Après, il y avait Z qui était mid, quoi, donc c'était un fight que j'aurais peut-être pu forcer. C'est vrai. Je vais back, hein. On perd une tour et le bot là-dessus. Ah, allez, on cancel le back, hein. On a un avantage de... On est en surnombre. Je vais rester bien discret, moi. Ouais. Bah, normal, hein, on est en surnombre. Y a pas de TP. Aucune idée de pourquoi ils ont pris le fight. J'ai évidemment bien fait de cancel mon back, malgré le fait que je voulais. On dit pas malgré que, mais vous avez compris. Et là-dessus, on prend pas mal, hein, quand même. Je sais pas s'il y a ça. La trinket, Irelia peut être là. Super. Bon, du coup, j'aurai un bac bien plus élevé que prévu. On aura un 615. Je vais prendre le carap. C'est mon carap. Après, ça fait pas un bac de fou autant. Hein. 615, 1875. Le Medja, il est chaud en vrai. Hein. Putain, il est chaud le Medjay. Hein. Franchement, je vais pas prendre le risque. Je fais un peu la couille molle là, mais. Pas dans cette game, ok? Felio, ça a combien d'items pour prendre le raid? 1,5. Oh! Bon bah on est à 10. On aurait été à 11. Et c'est pas mal hein. Tu penses qu'il y a moyen? Vas-y. Ok. Je vais reculer moi. Super. Vous voulez quoi? Vous avez fait des kills? Non? J'ai vu un call Nash mais... Pas vraiment raison d'être. Par contre, on peut le turn lui par derrière. Non? Ou on nage vraiment? Ah, il y a quelqu'un bot, c'est qui? Xin est bot? What the fuck? On a tellement de dégâts sur le nageur. Il y a Draven par contre. Faut que je m'applique, faut que personne mette de burst. Juste appliquer. Ok, ok, ok.
J'avoue que je dirais pas non là. Avec juste ça, je récupère la deuxième grosse baguette. Juste que ça vienne, frérot. Allez, sors-toi. On se casse et on va chercher sa deuxième grosse baguette. On n'aura pas fait de Medjay là, on aurait été pas mal, mais bon. Comme j'ai dit, normalement je suis censé mourir dans cette game, donc bon. Je veux dire, les mecs qui me foncent dessus avec un ulti Lissandra, bon. S'ils ont décidé de tout me mettre, ils me font tomber mon Medjay, quoi. Ça, c'est un fait, tu vois. Je peux pas y faire grand chose. Carap, j'ai froid. Merde. Prends le troisième Drake là-dessus. On a bien fait de mutol cette game hein, par contre. Je pense que clairement c'était une game à mutol. Tout le monde s'est plaint de ma jungle. Je sais pas pourquoi il prend un trade pendant le Drake hein. Quel nul ce Z. Là il doit se dire des trucs genre ok j'ai bait pour le Drake. Non non frérot, on l'avait à 100%. Par contre t'as bait Tanken, ça c'est sûr. Et on arrive en retard parce qu'on fait le Drake. Je savais pas trop comment prendre le teamfight. On m'a vu souvent, enfin là on m'a vu genre un peu être passif au début. Parce que c'était très compliqué de savoir ce qui était en train de se passer en fait. Est-ce que je devais aller dans la backlane? Est-ce que je devais front? J'ai pas su répondre à cette question. Prends le bleu là. Ça reste fort, Diana, ça va, mais c'est plus dur à jouer parce que ça clear moins vite la jungle, donc ça demande plus de précision au niveau des gants. Ok, peut-être lui faire un prank. Salut, c'est Ibra TV, frérot. C'est qui était là? J'avoue que le R était un peu overact. Moi je veux bien régen hein, sur les sbires, hein, si ça dérange. Vous me dites mais... Il a la pire arme là, Felios là. Il a du mal à clear. Qu'est-ce qu'il fait Markmood? Vas-y ramène-le moi. Attendez, l'autre, je vais lui faire une Greg Guillotin là, attendez là. Il continue à faire le beau avec son Draven là. On va préparer 3 autos, regardez. 1, 2, 2. Si j'avais un Medjay, ça serait plus simple. J'ai quand même été obligé de protobel là. Là, j'ai plus grand chose, c'est-à-dire si je vais dans le tas. Ça a l'air d'aller. Bon là on regrette vraiment que j'ai pas fait de Medjay, hein, je vais pas vous mentir. Je serais Medjay 25 mais bon. Je pensais la game un poil plus complexe au niveau des fights. Donc pas de regret sur le Medjay, enfin regret sur le Medjay mais c'était dur à deviner là. Ok, on a pris un peu de peiné maintenant. Tu vas prendre le raid là? Est-ce que tu sens que tu sers à rien malgré tous les pings que t'as demandé et tout? Avec tes 6 kills participation. Vous pensez qu'il se rend compte ou... Je pense pas hein. Je pense qu'il sent bon à LOL lui hein, à mon avis hein. Je l'ai senti dans ses pings hein. À mon avis il se sent chaud à LOL lui hein. Par Ineria là.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait juste aller là. Hein. Le truc, c'est que j'ai pas mon ulti en 3, quoi. J'ai pas mon ulti en 3 et ça, ça fait chier. Allez, on speed là. J'ai un bleu et ma pote. On va quand même faire très mal. Hein. En fait, il prend les ressources comme s'il était en train de carry. C'est complètement... complètement paumé, quoi. What? Was that? Faker sur Z. C'est pour moi les 50 gold. 50 gold. Mais à Draven, Diego Morisso, c'est quoi? Je connais pas, mec. Je connais pas ce pranker. Hein. J'aurais pu lui mettre un petit Rémi Gaillard s'il voulait dans sa gueule, mais je l'ai pas trouvé, genre. Ok. Je serais quand même curieux du bougre là. T'as combien de games? 700, 600. J'aurais dit plus. Pour être tout à fait franc. Plus de dents de Nashor. Bah frérot, ça, y a jamais eu de dents de Nashor. Hein. T'es abonné depuis plusieurs années, mais y a jamais eu de dents de Nashor sur Diana. Hein. Enfin, depuis qu'elle est jungle, pardon. Les gens aiment bien parler de la dent de Nashor sur Diana, mais bon. Celui-là est un peu plus polyvalent, je dirais. À quoi servent les 50 gold du Nexus? Rien, ça tombe.